Yo les gars, c'est Spartan. Aujourd'hui, on se retrouve Yo. pour une nouvelle vidéo accompagnée de Thomas. Ouais. Donc les gars, aujourd'hui là, on va déballer une nouvelle moto. Donc, vas-y gros, vas-y. Montre-nous ça. Polololo les gars. Aucun respect. Aucun respect pour la mécanique. Alors, c'est quoi comme modèle? Dis-nous. Je pense que vous l'aurez deviné. C'est une RFZ 150. Enduro. Putain les petits potes, incroyable. 150, juste là les petits potes. Incroyable, en plus en vert comme ça, magnifique. Magnifique. De base elle devait être rouge mais elle est en rupture de stock. Elle est en rupture de stock, du coup il l'a reçue en verte comme ça. Incroyable. Là il y a la petite moto là. Avec une petite vidange, ça se voit la couleur de l'huile. Plus très propre. Sans sélecteur, on se demande où il est. Une position de mon meuble là-bas. Aïe aïe aïe, pouh, il casse la moto déjà. Oh putain, oh c'est lourd. Oh putain, il pèse du gain. C'est les combinés filetés enduro. En wow. Plus c'est fourche inversée. Attends, deux secondes. Gain, eh. Mais moi je m'en fous, j'éclate juste les bulles. Fourche inversée. En plus. Je l'ai choisi en fourche inversée. Incroyable. Incroyable. T'as les profs de fou. T'as et tu vas les rouler avec ça en plus. En fait, incroyable. On va faire un truc proprement quand même. Pour éviter de tout dégueulasser. T'as les roues. C'est des semi-enduro. Parce que c'est pas des gros crans. Ah c'est pas du cran, c'est de l'enduro. C'est enduro quoi. Ça c'est la roue arrière ça. Elle est beaucoup plus grosse ça se voit. Putain mais en vrai Il y a aussi la couronne aussi. Je l'ai pensé plus petite en vrai les roues hein. C'est en vidéo, ça rend pas pareil qu'en vrai. 17 à l'avant et 14 à l'arrière. Mais gros, le moteur, le cylindre, il est énorme. 17 à l'arrière, 14 à l'avant. Bah, y'a, arrête de tout casser. T'as regardé moi le cylindre, les gars, il est énorme. Et en vrai, attends, tu vas me dire que le moteur là, c'est exactement le même que ta Yamazaki. Il est légèrement plus gros, quoi. Mais sinon, c'est le même. Bon, ça. On est clairement rien. Wow. T'as mis ma pipe là, casse-toi. Wow. Ah, oh ta mère là, rends-moi ça. On dirait trop un enfant à Noël. Ah ouais. C'est avec le Père Noël là. Oui, Papa Noël. Bon, moment drôle. Ah ouais, c'est des trucs en ferraille en plus ça. Putain. Bon les gars, on va déjà nous déballer ça. On va commencer à la monter et tout. Bah, je vais vous faire un accéléré et puis bah après voilà, hein, on continue la vidéo. Bon les gars, là on a quasiment fini la dirt. Donc là, comme vous pouvez le voir, magnifique, vraiment magnifique. Putain, en plus les gars, regardez un truc. Regardez-moi ce tirage. Regardez. Hein. Attends. Il est incroyable. S'ils pouvaient nous faire des tirages comme ça sur les 50, ce serait incroyable. Attends, est-ce que je peux faire ça en vidéo? S'il te plaît. Attends, faut le faire délicatement. Le début il casse-couille. Faut que tu l'as enlevé. Oh les gars, regardez. Moment de satisfaction. Reviens là toi. Oh merde, je suis en train de niquer la plaque phare du coup. Oh. Vas-y, tiens là. Mais non, mais laisse. Magnifique. Paf. Y a un défaut. Mais non, il y a un défaut, chef. Portez plainte, moi. Il y a un défaut, chef. Il y a un problème, chef. Problème. Attends, on va faire ça sur tout le carnage. Oh. Quel truc? Le truc noir pour viser la plaque phare. Merde, non, j'ai tout niqué. Non, c'est pas moi. Hein. Si, c'est toi. Ta gueule. Bonne nuit. Ouais. Arabe, déjà. Je
couperai au montage. Tu couperas du tout. Waouh. Par contre, ça, je vais pas le couper au montage. Va niquer tes morts, toi. Et t'es quoi la dirt, tu utiliseras même pas. Instant mécanique. Aussi, les gars, il y a une deuxième plaque phare. Plaque phare cross. Plaque phare cross. Et plaque phare là. Et plaque phare avec un phare, quoi. Le but d'une plaque phare. Quand on fera le test, on va remonter. Bon, en gros, différence. Ouais, t'as une préférence pour laquelle, toi? Moi? Je sais pas, j'ai... Bah, en vrai, ça dépend. Genre, moi, j'aime bien les deux. Bah, dites-nous en commentaire quelle plaque phare vous préférez entre celle-là. Moi, je préfère celle-là, mais celle-là, elle sera plus pratique. Si tu fais du cross et qu'il fait assez sombre. Ouais, c'est vrai, au moins, t'as la lumière. Ça, c'est le principal. Au moins, t'as la lumière, quoi. Mais bon, celle-là, en pleine journée, ça serait pas mal, tu vois. Elle est pas mal, en vrai. En vrai, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Regardez les gars, la compression. Ça compresse ce petit truc. Hein. Attends, surtout au début. Ah. Bah là, je trouve qu'il compresse moins qu'au début. Après, le premier, c'est normal. Voilà. Bah après, c'est du 4 temps et puis c'est pas un 2,5 quoi. Regarde, compression. Moi je t'ai mort. Qu'est-ce voilà, que c'est mieux. J'ai le don pour ça, c'est fou. Tu me casses les couilles, je te séquestre. Il n'y aura pas de moto. Porte à derby, c'est un libre en pièces. Si vous avez un pote, il peut servir pour dépanner de ça là, parce que c'est chiant à décoller. Regardez tout ce qu'il a sur lui. Je suis mort. Tu vas voir, toi, t'essayes pas de moto, sérieux. C'est quoi là? Alors qu'il est joué au chantage en plus. Casse-toi, dégage. La conne de ta hein. T'es mort après. Ah, mais t'es enlevé de l'autre côté. Bah voilà. Non. Premier démarrage les petits potes. Starter. Ta. Oh. T'allais pas faire des retours de flamme sans l'enculer. Mais gros, laisse-la tourner au moins un peu. Elle est neuve. Oh, retour de kick. Sa mère. Oh, oh, sa mère. Oh. J'ai plus de mollet. Et pourquoi tu as pas le ralenti? Parce qu'elle est neuve ou... Non, j'ai envie de le starter. Oh. Oh, j'ai perdu un mollet, sa mère. Oh, tu veux démarrer? Tiens, vas-y, fais le kéké. Attends. Tu vas voir, ça compresse, hein, ce fils de pute. Faut que tu mettes un petit à-coup pour trouver le point de compression. Wow. Oh! Faut pas que t'accélères. Laisse tourner comme ça. Vas-y, mets un petit coup de gaz. Oh, sa mère. Oh, oh. Alors, mon gars. Ouais, mon gars. Attends. Bah demain ça marche même pas. Attention à la poubelle. Ah.
tout dans la gueule, gros. Ah, le bâtard. Oh, l'enculé. Ah, le bâtard, il y avait un burn, enculé. T'as pas tout pris? Un peu aussi. Excuse, mais. Oh, la puissance! Ouais. Attends. Oh, les traces. Vas-y mon gars. Ça part hein. Eh, mets tes à-coups. Bah mets-toi là, plus là-bas. Fais gaffe quand même, hein. Y a trop d'air. Bah viens. Arrête, arrête, arrête. Y a du béton là, en dessous. La montée du terrain, je la fais ici par contre. Hein? Je pense avec la puissance, la montée du terrain, je la fais ici. Carrément. What? Eh, tu vois les kékés au terri des vins? La vie de ma mère, je vais y aller avec eux. Ma vie? Incroyable, gros, elle est incroyable. Vraiment. On va montrer la plaque? Ah ouais, non, merde, eh bah il y en a pas. Bah normal, gros, c'est normal. Oh non, non, il me l'a déjà dégueulassé, bâtard. Non. Elle est déjà toute sale. Non. Elle était neuve, elle a même pas 10 minutes. T'es mal à roue, fume la roue. Frère, elle a dit. Oh, je sais, je montrais. Ouais, elle a 10 minutes. Elle est déjà dégueulasse. Bon, je crois que je vais la laver souvent par contre. Ah bah, tu m'étonnes. Vas-y, démarre, Mathieu. Attends. Tu t'es encore niqué? Ouais. Non, là, c'est mon pied remonté dedans. Oh putain. Ah si, attends, attends. Le phare il s'allume. Ah non, là non. Oh, les petits potes. Regardez les petits potes, moi aussi je vais avec des cannes là. Bim 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 bim. Ah je déconne, vas-y on pédale, on va voir où il est allé là le bestiau. Putain, vous avez vu là-bas toute la merde de terre qu'il a mis. Bon les mecs, laisse tomber. C'est incroyable. Et en vrai, là on va aller au terri les petits potes. Bon les mecs aussi, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo parce que là il y a du montage qui m'attend les gars. Oh, laisse tomber. Je vais avoir un montage de malade à faire. Là, il est parti, je ne sais où, il est parti à Tatooine. Je pense qu'il va revenir par là-bas. Il est parti l'essayer, là. Et voilà. Voilà, voilà, les pipettes. Bon, les gars, on se retrouve après. Peace. Bon les petits potes, comme vous pouvez le voir, là on a roulé tous les deux, là on est dans un terrain où il n'y a que de l'herbe et des graviers aussi. Et du coup là on a roulé, moi je suis avec mon piteux état de vélo de merde, parce que du coup j'ai plus de bécane. Putain mais j'aurai ma Sherco, je serai venu ici en Sherco et tout. Et du coup bah vous l'entendez, c'est lui. Et du coup là il revient cet enculé. Pouah, il bombarde ce bâtard. Et les gars, je pensais pas qu'une dirt. Genre celle-là c'est quoi? C'est la RFZ en 150. Et je savais pas qu'elle bombardait en temps. Elle bombarde de fou. Putain, c'est parce que tout le monde a des mauvaises images, vous voyez, de dirt. Mais en vrai, putain, ça arrache.
Watt, vas-y, Watt. Ah. Ouais, il essaie de faire un burn, mais hein. Faut freiner du frein avant. Hein. Faut freiner du frein avant. Elle est tellement puissante, gros, que. Bon bah. Qu'est-ce que t'as foutu, mec? Qu'est-ce que t'as foutu? Je voulais me mettre contre le poteau pour faire un burn. Parce que ça glisse trop. Ah ouais, d'accord. Ah merde, ça c'était le papier. Ouais, fais gaffe, gros. Fais gaffe. Oh, le trou! Les gars, regardez les traces. Regardez les traces, wesh. Les gars, c'est un truc de fou. Parce que là, en fait, les gars, comment on veut dire que la derby, eh bah, putune. Du coup, bah là, genre, je l'ai fini, mais on a rencontré un nouveau problème. On l'a fini. Et le problème, c'est que, bah, tout simplement, bah, comment vous dire que, genre, l'étrier, il y a un gros problème. Il est en train de nous lâcher, il est mort. Faudrait le changer, mais sauf que j'ai plus du tout de thunes. Les gars, il devrait rester quoi, 1 euro quelque chose. Alors franchement, je peux rien faire avec ça. La Sherco, faut que je la récupère parce que je l'ai plus dans mon garage. Je l'ai mis chez un ami parce qu'il y a le matériel pour la réparer. Et moi, chez moi, j'ai rien. Du coup, on le réparera ensemble. Et là, bah la TDR. Regardez-le, get. Bien ou quoi? Tranquille. Oh, y'a une flamme, gros! Voilà, mon gars, c'est bien! Regardez-le là-bas là, quel guignolo va. Putain les mecs, putain vous avez pas idée. J'aurais bien en avoir une moi aussi, hein. De base j'en voulais une, de base c'était ma toute première moto que je devais avoir, une Dirt. C'était une 110. Je sais plus c'était quoi, par contre je me rappelle plus, c'était en 2019 alors forcément je me rappelle plus. Et du coup bah les gars, t'as le boucan qui fait le bâtard. Du coup les gars, bah comment vous dire que je vais rester un moment avec ce nouveau bolide de merde là. Voilà, bit win, hein. Et voilà, c'est la merde. Bon les gars, moi je vais vous laisser. J'espère que ces petites vidéos vous aura plu. J'ai pas mal de montage à faire, donc mettez un pouce bleu et au moins un commentaire. Ce serait cool. Bon, c'était Spartan les gars, et Ghostra, qui est sur sa dirt, qui est en train de faire le con, et moi avec mon vélo de con là, putain, merde. Bref, allez les gars, c'était Spartan et Ghostra. À plus.